Secrétaire général à part moi, association paloise, en même temps aussi le secrétaire du CEP, moi, c'est des éleveurs de Poror. Maintenant, nous avons été exposés au foire, au premier premier, du 12 au 16, puis à Dia. Nous avons une exposition là que si qui a commencé, si Ganar a commencé, Ganar avec une race améliorée. On a aussi un grand brahma, on a aussi un rouge et un bleu. On a aussi un canard, un ouarou toulouse, un peltat, un dinde, un lapin, un angora. Donc on a pratiquement toutes les espèces. Aussi, du point de vue ovin, on a aussi des moutons de race Ladoum. On a des moutons de race Daloum, bien vrai qu'on a que Stanley, Sanboundaoula. On a essayé d'être un peu représentatif avec quoi. Donc voilà, en gros. La présentation des deux GIE. On a des problèmes. Le premier problème, c'est accès au financement, accès au soutien, accès à l'appui, accès à l'accompagnement. Donc, ça, ce sont des problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'on aspire vraiment à avoir une ferme à Poror. Parce qu'on a un élevage dans les maisons, il y a parfois des risques. Par rapport à certaines maladies, il y a parfois des risques. Donc, on aimerait avoir une ferme, de sorte que les bêtes n'est qu'un peu à l'écart des maisons pour au moins s'il y a une certaine sécurité. Donc, la rentabilité. Si on prend l'exemple des poules, là, ce sont des poules qui ont une race qui est améliorée. Et des poules, ce sont des poules qui te font au niveau 20 œufs. Et aussi du point de vue production chère aussi, c'est un domaine qui a été un peu boosté avec les métissages là.